Ok, salut tout le monde et bienvenue ce soir pour un nouveau stream sur Total War Saga Troy. On va continuer notre campagne avec Ajax de Salamine, c'est la seconde session. Bienvenue à tous. Alors, au passage, salut à toi Mitrandir, j'espère que tu vas bien. On va continuer notre campagne, mais déjà, on va regarder un petit peu les opportunités que nous pourrions avoir pour la suite de cette campagne. Il faudra bien réfléchir à nos prochains mouvements. Voilà, c'est ça qui va être la clé pour essayer de s'en sortir dans cette campagne légendaire. Donc déjà, on va regarder un petit peu notre situation, on va rappeler un peu ce qu'on a fait. Donc on a récupéré déjà notre province de base, la province de Mégaride. On contrôle l'intégrité de l'entièreté de la province. Donc on est raidé malheureusement à cause de ces salopards de pirates ici. Donc alors, là je suis en train de réfléchir à plusieurs solutions. Parce que là actuellement on a un autre problème, c'est qu'on voulait aller partir pour la province de Latique, donc récupérer la province d'Athènes. Kéa, Marathon et Torikos. Il y a eu de la bagarre. Les Amazones d'Hippolyte se sont installées ici. Énée dans le coin, donc je vous laisse imaginer un peu, c'est un peu le bazar par-ci par-là. Et on a une armée ici de 5 qui peut être gênante. Donc je vais essayer de recruter juste un héros pour essayer de nous en sortir, quoi. Donc j'essaie de trouver un héros avec les bons. Alors lui, il faut pas qu'il termine en garnison. Alors lui, on va éviter les renforts. Tous ces héros, mon Dieu, mon Dieu. On a recruté un héros, donc on va tout de suite le mettre ici à Kea. On n'a pas mis de... Sachant qu'on perd aussi de l'influence, donc c'est un peu de bazar. Alors là, il y a deux possibilités, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Oh, je vois déjà alors qu'il y a du people qui est en train de se refaire ici. On a une demi-armée là-bas, donc je suis en train de me demander si je devrais pas aller taper l'armée ici, mais j'ai peur qu'ils viennent s'en prendre à moi du côté de d'Egine et de Salamine. Donc là, je vais devoir réfléchir. Salut Mythe. Alors, salut à tous, salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle campagne, cette nouvelle session de campagne sur Total War Saga Troy. C'est le bordel. En Attique déjà. Ah bah tiens, déjà regardez, Sarpedon il est en train de débarquer ici. Waouh, il est en forme le vieux roi de Lycile, hein. Donc la question est de savoir quel mouvement allons-nous faire. Est-ce qu'on pourrait récupérer la province de Cyrmata et se mettre bien, vous voyez? Donc déjà, ce que je vais faire, on va réfléchir parce que on voit qu'ici Argos veut prendre Athènes, mais bon ils sont déjà bien amochés. Ici il va y avoir du combat aussi. Et là, on va avoir les Dolopiens de Lycomède qui nous embêtent. Mais il faut... les Dolopiens de Lycomède sont des alliés de... Comment ils s'appellent? Ils sont en bon terme avec les petits, donc Achille. Donc si on est en guerre avec Achille, ça va poser problème. Salut Momon, comment tu vas l'ami? Donc on va essayer déjà de regagner Égine le plus rapidement possible. Et il faudra aussi qu'on aille chercher les Paragons pour qu'Ajax continue sa route vers la gloire, parce qu'il y a encore du boulot, hein. Donc voilà, on va se laisser en garnison là et on verra comment réagit l'armée. J'espère qu'elle va partir. Et juste pour voir, les pirates d'Akpkis, ils sont en guerre contre personne. Ouais, c'est drôle ça. Par contre, bon, c'est pas que vous servez à rien, mais il faudrait peut-être se bouger un peu concernant les Dodopiens ici, hein, qui cassent les couilles. Donc voilà. Alors ça va, bah c'est cool Momon. Hier je suis allé au cinéma avec mon père, je suis allé voir le dernier film Marvel sur Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Alors je vais pas spoiler, mais j'ai trouvé ça super. Et franchement je vous le conseille si vous voulez voir un héros sur le marché asiatique qui prend son essor et ça pour l'univers Marvel, je pense que ça a donné des nouvelles opportunités, un petit peu comme Three Kingdoms avec la licence Total War de Creative Assembly. Voilà, c'était la minute. Donc là pour le moment je vais rien faire, donc j'ai... Là, à Akis, le problème, c'est que si je leur déclare la guerre tout de suite, je vais me retrouver avec cette E sur le dos ici. Et ça va être compliqué. Sachant qu'il nous faut aussi aller chercher le toutou, le Cerbère national. Donc là, je ne produis pas de bronze parce que je n'en ai pas. Donc là, on est pas mal. On a déjà pas mal de production de ressources. Donc les petits problèmes qu'on a là, c'est la bouffe. Le bois, on est large. La pierre, on n'en produit pas. Le bronze, on n'en a pas. Et l'or, on en a un petit peu. Voilà, donc c'est la fin de ce tour.
Et là, on va surveiller un peu ce qui se passe en Attique parce que ça va être la clé de ça va être une des points qui va nous intéresser. Ah, déjà, là, il y a une attaque. Argos s'est replié, j'ai l'impression. Oh, ok. Ah, je crois que Aîné nous a déclaré la guerre. Étonnant. Ah, Dune est l'air pas mal, ouais. Il y a celle qui joue aussi dans Spider-Man, là. J'ai oublié le nom. Ah non. Ne te moque pas de moi, Athènes, voyons, sois respectueux. Allez, la Dardanie nous a déclaré la guerre. Ah, il y en a qui attendaient de te taper, Momon, je crois qu'il s'est pris une raclée. Même s'il n'y aura pas Sting dans celui-ci. Ah. Donc là, on se retrouve avec l'armée. Ah, bah attends, justement, tu vois. On va l'empoisonner l'armée du. De Aîné, tu vois, si ça marche. Voilà. Donc ça, c'est cool. C'est une armée de Paris 2-3. Dis donc, Paris, tu ne serais pas un peu trompé de coin? En voilà, j'ai tellement envie de rajouter les archers ici, puisqu'on en a à Mégare maintenant. Il faudrait aussi faire des trucs de géant, mais il me faut de l'or, c'est ça l'ennui, quoi. Est-ce que je rajouterai pas deux archers? Allez, deux va pour deux archers. Ils seront de rang 2, ça peut toujours être utile. Il va falloir surveiller monsieur Hachi qui veut nous proposer. Ouais. En vrai, 52 de pierre pendant 9 tours, ça va quoi, avec tout ce qu'on a. On est gagnant là, et puis on a besoin de bouffe. Ah, bah, déjà, Kéa va s'en prendre plein la tronche. J'attends surtout la suite car Villeneuve va le faire. D'accord, Momon. Je crois que mon île, elle va pas tenir, bizarrement. Ça, ils sont tous comme des rats morts ici, quoi. Et Akis qui continue de nous piller, c'est horrible. Alors, les instructions de Circé sont simples. Suivre Helios dans sa course vers l'ouest. Elle dit avoir fait en sorte qu'il vous mène là où vous souhaitez aller. Après une journée en enfer où l'air était chargé d'une étrange lumière et les flots ont changé de couleur pour se confondre avec du vin, vos filles se posent enfin sur les rivages d'Hadès. À vos côtés se tient Trisérose, mais quand vous sentez de nouveau la tête, il est quelqu'un d'autre. Il tient un bâton à recuver et de sous ses pieds jaillissent des filaments de lumière comme des petits ailes. Seigneur, il arrive. Je ne suis que le messager, mon père est le seigneur, mais ne dites pas qu'il arrive. Donc là, j'ai pas vraiment le choix. Donc les gens blessés ne font pas partie de l'expédition, on n'en a pas. Un dernier mystère, vous n'avez pas de disciples visibles parmi nous, le héros reste aux enfers. Le héros restera aux enfers pour l'éternité, mais pas avant d'avoir brillé une dernière fois. Ok. À peine la pensée apparaît-elle dans votre esprit que votre décision est prise. Quand je viens ici, j'emmène toujours quelqu'un définitivement, dit votre ancien compagnon. Pour ceux que ça vous, c'était un bon voyage, personne ne vous oubliera. Votre poitrine est soudain libérée d'un poids. Vous ne les voyez peut-être pas, mais vous énoncez vos demandes d'une voix claire et forte. Vos hommes secouent la tête comme pour retrouver leur esprit et tirent à leurs membres. Ils sont prêts, vous attendez. J'y consens. Le ciel se dégage, vous êtes sur le champ de bataille. Ce sera votre dernier combat, il devra compter. Destination finale. Oh! 20 de vitesse à la bataille d'unité du héros, 52 dégâts au projectile du héros, c'est Teucros, hein, je rappelle. Le héros devient invincible, plus 50 aux dégâts du mêlée du héros. Remporter la bataille suivante avec Ajax aux portes d'Hadès. Par contre, là, ils sont un peu casse-pieds, les Dolopéens, là. Il y a les pirates d'Axis aussi. Donc là, on va perdre Kea, hein, honnêtement, hein, je vous le dis. Ça sent pas bon, on va rien développer pour le moment. Parce que là, si je veux développer Akea, je vais perdre combien de bouffe? Je vais perdre 110. Je vais perdre 200 de bouffe. Il va me rester à peine 180 de bouffe par tour. Je suis un peu emmerdé. J'ai pas envie de redéclarer la guerre aux pirates tout de suite.
Ah, tu me diras, si c'est pas moi qui le fais, ce sera eux. Alors, bon. Engage the foe. Give no quarter. En vrai, je pourrais anéantir son armée là. Allez, allez Ajax, échauffe-toi un peu. Ah, j'ai perdu un lancier dans le tas, mais bon, les marins font le job, hein, vous l'avez vu. Allez, renommée étendue. 2 de renommée en plus, 3 morales de toutes les unités dans l'armée du héros, 10 à la taille de du héros, 3 d'influence dans la région, 10 à la taille du héros, 3 morales du héros. Tout va bien. Bon, je vais retourner à Salamine vite fait. Donc, on a éliminé la menace qui nous a gêné. Ajax est rang 8. Intéressant. Alors, qu'est-ce qui pourrait être pas mal? En vrai, la fatigue, déjà, ça peut être bien, je pense, pour toute l'armée. Et je pense que je partirai sur le niveau de fatigue dans la bataille toujours frais. Ça peut être intéressant, tiens. Bon, là, on se prépare pour qui hein. Ça sert à rien, on sait qu'on va la perdre déjà, regardez. Hop, qu'est-ce que je disais? Justement, s'ils peuvent s'entretuer un peu, ça serait cool. J'ai juste mis un héros lambda pour l'objectif bonus. Ouais, c'est un peu le bordel hein, cette campagne. Hein. Et évidemment, j'ai oublié l'armée de Paris. Ah, fait chier. Il a trop de tireurs, c'est pas la peine. Hein. En vrai, le problème, à chaque fois, on dit que c'est face, c'est normal, mais bon, moi je suis pas d'accord. Hein. Vu ce que je vois, bon, ok, je joue en légendaire, certes. Mais pour moi, ça aurait dû être difficile de base. Bon, il a juste pillé le saligo, ça va. Donc, on va aller calmer l'armée de Paris, là, qui a eu le culot de se pointer à Igine, et on va lui rendre la monnaie de sa pièce. En plus, c'est notre ville où il y avait de la bouffe. Hein. Ton pack de l'agression, tu peux te le garder, toi. J'ai plus beaucoup, j'ai même pas assez, je me produis même pas de bronze, alors tu crois que je vais t'en donner, mon vieux? Bon, tu vas me dire au moins. Allez, Paris 2-3, là, ça y est, tout le monde se coalise, bisous. Allons chercher cette armée de Paris, là. On va lui faire regretter ce qu'elle nous a fait. Ah, c'est surtout les jaloux, ils vont être chiants, quoi. Alors, attends, 170 de portée, nous, on a 160. Donc les frondeurs troyens sont meilleurs que les frondeurs aquais, hein. Tiens donc. Voilà. Donc ça, Ajax va XP un peu. Et on perd 290 de bouffe, génial. Donc on a perdu l'un de nos lanciers. Hop, on va le reprendre. Et derrière, on va tout réparer ce qu'on a. Voilà, parfait. Sinon, la façon dont on joue le début de game. Ah bah écoute, je fais comme je peux, Momon. Hein. Alors, toi. Bah tiens, Momon, tu vas jouer un peu aussi, faut que tu te bouges. 70% et tu rates, bravo. T'es plus en forme, Momon, t'es plus dans le coup. Le mec. Parce que là, j'ai combien d'infanterie de marine? J'en ai 6. En vrai, je crois que je vais prendre un géant. Je vais prendre un géant sub. Ah, escarmoucheur pour la bataille contre Cerber, ça peut être utile. Ah, t'es gourmand avec la pierre Achille, là, j'en ai besoin. J'espère que tu vas comprendre. De toute façon, si on veut battre Cerber, il va falloir vite l'atomiser. Hein. Je pense qu'on va la faire cette bataille.
façon, ce sera dans cette nouvelle. Oh, ils ont pris Mara. Oh, mais Paris, il est là. Le fameux prince. Aucun mal à lâcher, c'est bien. Et on va pouvoir se farcir tous les héros de la royale. On a commencé par Hector. Paris, ça pourrait être le prochain. Pourquoi pas Iné après. Trois se rétablit. Macaria n'existe plus. On va tenter de puis empoisonner sur l'armée de Paris. Je sais pas de quoi les composer. On va vite le savoir. Voilà. C'est de la trash unit son armée, j'ai l'impression. Il a quoi? Il n'a même pas de javelot. On va essayer d'aller la choper, tu vois. T'es sérieux? Je peux pas aller le chercher, c'est une plaisanterie. On va essayer de rebâtir Régine au niveau maximal. Point de compétence non assigné. Momonus, tiens. Qu'est-ce que je peux te mettre? 5% de succès pour tous ouais, ça peut être bien 5%. On va essayer de se farcir un autre prince, tiens. Oh, monsieur, ah oui, bien sûr, maintenant il y a deux armées au nom de ma position. Bah tiens, je veux pas s'emballer un Mars non plus. Ah non, je rigole. Je pense que j'essaie de faire la paix avec les Dolopiens, là, c'est vraiment inutile. Alors, qu'est-ce qu'il me demande? Du bois. D'accord, 88 de bois pendant 9 tours, ça va. Et la bouffe qu'on risque de gagner est largement rentable. Oui, on est en Grèce, bon. Après, la bière, hein. Staunch ally. Engage the foe. Bon. On va voir s'il n'y a pas une autre armée qui va nous taper dans le dos. Ah là, ils sont tellement chiants. Je vais juste regarder la route vers la gloire. On est à renommée grandissante, on est à 12 points. Donc on a encore le temps, hein, pour arriver aux 30 points. On va essayer de se farcir Paris. Si on peut se farcir René, bah alors là c'est génial. Il me semble qu'René il avait un bon bonus en plus. Je sais plus lequel, mais il me semble que c'était pas mauvais du tout. Bon là ils sont en train de s'entretuer. Qui s'entretue? Moi je m'occuperai d'eux après quoi. On va essayer de la jouer comme ça. Alors Momon. 65% d'usure, ça va quoi. Voilà. Encore un petit coup, une petite blessure. Il faudrait que j'essaie d'aller chercher le paragon à Épidore aussi pour augmenter encore ma renommée, tiens. Bon, c'est pas une armée de top qualité non plus, mais attention. Hein. En vrai, il faudrait que je me foute en embuscade près de mes gares et que voilà. Là, comme ça, je pourrais les attirer. Lance le dé du destin, mais au secours, arrêtez avec vos dés de destin. Et avec Achille, on s'entend plutôt bien. Non, ils disent là, t'abuses. Hein. Les autres me demandent pas des gros trucs comme tu me demandes. Là, ils se barrent comme des lâches, là, lol. Ah, il y a une unité qui en moins déjà. Ah ouais, les Dolopiens, j'ai oublié de faire la paix avec eux. Je vais essayer ce tour-ci parce que sinon ça va être très compliqué. Ah, 90 de bronze par tour. Alléluia! Alléluia! Allez, on continue de faire du dégât sur l'armée, on va l'affaiblir. Dommage, c'est un échec. Est-ce que je peux recruter un second espion? Je ne peux point. Oh, l'armée là, elle a l'air pas mauvaise. Hein. Après, c'est de la troupe de base, certes, mais. Attention. J'ai tenté de me foutre là dans cette forêt, je vois un peu ce qu'il va faire lui. Get into cover. For glory.
Alors toi, si tu peux t'occuper de ça, ce serait cool. Oh, mais il y a du bordel ici, il y a du Troyen en masse, hein. J'ai loupé un épisode ou ça se passe comment? Alors, ensuite, niveau technologie, on devait faire quoi? Ouais, le coût d'action des agents, ça va être très utile, ça. Chèque profit du charisme de l'ordre. Ah bah tiens, c'est un peu facile ça, monsieur, comme excuse. Hein. Donc là, on va voir ça dans 6 tours. Ça va être pas mal. J'ai tenté une embuscade contre lui. Bon, on a déjà battu Hector, hein, oui. Je sais pas ce qui se passe, mais attends. Toi, tu vas aller t'occuper d'eux. Sparte, t'es où toi? Tu veux t'occuper de cette armée de Dardanie. Pylos. Ah bah oui, c'est vrai que je suis avec, en bon terme avec Pylos, moi, tu vois. Est-ce que tu pourrais t'occuper de cette armée de Dardanie là? Il y a un peu du peuple, hein. Maintenant, on va voir. Ah, Athènes, ça y est, ça va se faire assiéger. Putain, ils se barrent tellement qu'ils ont peur ou je sais pas quoi. Je sais. Ah bah tiens, il y a Hippolyte aussi qui joue à la fête. Va pour un accès militaire. Avec Akis, j'espère qu'ils vont pas faire des cons. 70%, allez, ici maintenant. Bah tiens, comme par hasard, MDR. Là, si je vais en mer, je suis mort. Hein. Je vous le dis. Alors, on va se. L'IA qui cherche à me prendre pour un con. Bah tiens, justement, on va accélérer un peu le pas. Oh la vache, l'armée d'Hippolyte, elle va faire très très mal. Où est Sparte quand la tique est tombée? Ah, ça, c'est une très bonne question. Je sais pas ce qu'ils ont avec la province d'Athènes, mais calmez-vous, les gens. C'est qu'Athènes, hein, c'est pas droit, hein. C'est pas la guerre d'Athènes, c'est la guerre de Troie, c'est à l'autre bout du monde, là-bas, en Asie mineure, vous savez. Putain, quelle enflure. Ça, c'est un peu chiant, hein. Voilà. T'inquiète pas, toi, on te retient, le prince. Retenez la tête de cet homme. Et il me rase les gines, le saligo. Viens. Ah. On va la tenter celle-là, c'est de la troupe rampe à la sable. On a des frondeurs, on a nos javelots, on va essayer de faire quelque chose. Au secours. Mais bon là on sent qu'on va aller chercher le toutou plutôt que prévu, là c'est pas grave. Alors. Bon, déjà, on va mettre quelque chose ici. On va. Alors, déjà, là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a personne qui pourra monter. Mes javelots, là. Et en fonction de la situation, on va mettre mes frondeurs au centre. Faudra leur donner le script à Homer. Ah oui, clairement. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à laisser venir nos adversaires. Donc les deux seules unités chiantes que je redoute, c'est les chargeurs à la hache.
Les troupes de Dardani, logiquement, on va pouvoir les tenir. Hein. Bon, ça a l'air de tomber. Attention derrière, attention là-bas, ils sont là. Caillassez-moi ça en règle. Ah oui, j'ai aussi mis le mode better, ce caméra mode, pour ceux qui jouent à Warhammer. Une de vos unités n'a plus de munitions. Ah, ça, ça doit être les... Ok, c'est ici. Bon, ça va, ils stoppent les troupes de Dardani, là, ça tient. Mes javelots... Oh, ça craque déjà, ça c'est une excellente news. Ils ne reviendront pas, c'est très bien. Bon, là, ils vont continuer de charger. Bon, on est en position défensive, donc là... Donc là, les frondeurs, c'est pas mal joué. Les chargeurs lâches sont ouf. Bon, là, c'est bien. Nos marines, regardez, s'en sortent très bien. Leur attaque, bon, c'est pas la meilleure des défenses. Mais là, regardez, déjà une unité de lancier qui est en train de se barrer. Nous, lancier ici, ça tient pour le moment. J'ai tenté un tir ici en support des escarmoucheurs insulaires lourds. La troupe de. Non, visez-moi les chargeurs là, je vous. Voilà, c'est bien. La plupart des troupes sont en train de craquer, c'est cool. L'ennemi a repéré vos unités dissimulées. Voilà, donc là, les troupes de Dardani, on va les prendre au piège. Les chargeurs lâche qui font je ne sais quoi, mais qui sont en train de craquer, attention. Oh, il y a un caillassage en règle ici, si vous jouez bien le coup. Vite par là, allez. L'archer va tirer ici. C'est bien. Maintenant, on va tenter de prendre un sandwich là. Contre-tir sur les... Je ne veux pas qu'ils se reforment ici. Vous, attention par là. On va les taper dans le dos, comme ça fera plus de dégâts. C'est bien. Il nous reste encore des munitions. On va essayer de garder des munitions pour le héros adverse. Bon, pour le moment, ça se passe bien. Pour le moment. Oh, leurs unités là sont enragées, je sais pas pourquoi. Attention, hein. C'est peut-être de la troupe dardanique de base, mais il faut se méfier. Par contre, faudrait que ça craque à un moment là. Je veux bien que ce soit craqué les trucs. Bon, il y a déjà une unité qui craque, c'est bien. Les lanciers, vous allez renforcer par là. Allez. Tranquille. Empêchez-les de se reformer ici, c'est bien. Vos guerriers se découragent. Ouais, j'ai bien fait de venir parce que... Oh, c'est le héros ennemi qui est en train de faire très très mal. Bon, son armée là, elle est en train de prendre cher, donc peut-être que si on la perd, à la limite. Voilà, on va tenter un flanking, hein. Attends, c'est pas encore fait l'ami, hein. C'est pas encore fait du tout. J'ai tenté de tenir la ligne. Voilà, ils se reformeront pas, ça c'est une excellente nouvelle.
Ouh, l'Aristi, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal. Voilà, on renforce la deuxième ligne. Vous parlez, tapez-moi cette troupe de Dardani. J'ai pas envie qu'elle se reforme à nouveau. Il y a déjà assez de conflits ici. Ah, cette fois, ça y est, là, il est en train de s'en passer. Oh, les lanciers, là, attention, hein. Ah, c'est casse-pied ces capacités là. Où ça ? On va les renvoyer au combat ici. Oh, l'infanterie de marine, elle fait la game. Hein, l'infanterie de marine Salion, je vous la recommande si vous jouez Ajax. Là c'est bien, ça craque complètement l'infanterie de marine ici, ça donne quoi? On a encore l'unité des guerriers massus en réserve, hein, je rappelle. Là je pourrais lancer. Allez. Ah, le héros ennemi va a l'air de perdre du moral. Putain, les escarmoucheurs insulaires font une de ces games. Mmh. Oui, le roi adverse. Il est là. Allez, repoussez les Dardaniens. Allez. Ah, il y a une unité de troupes de Dardanie qui se reforme. Attention, on va se mettre en arrière. On va laisser les accueillir. Voilà, là il est en train de perdre le combat, le moral n'y est plus non plus. Je rajoute les escarmoucheurs pour éviter que cette bande de Dardani se reforme. Oh là, ils sont vraiment pas mauvais du tout. Hein. Et c'est une victoire. Je vais faire vite l'accélération pour essayer de tuer le héros adverse. Ne le laissez pas s'échapper. Il ne doit pas en réchapper. C'est l'une des armées de Dardani qui menace nos flancs. Alors si on la bute. Le héros ennemi a été blessé. Eh ben voilà. Bien joué. Elle était pas évidente celle-là. Bon, on a perdu à peine un tiers de nos troupes, ça va. Bon là tout le monde a fait la game. Par contre, MVP les marines Salamine là. On coupe la tête. Fallu. Ouais, c'était vraiment une belle bataille. Du coup, on va prendre les 10%. Par contre, on résistera pas à l'armée de Paris. Hein. Ça, c'est une certitude. Je ne m'allie pas aux copains de Troyes. Non, les Béotiens, c'est pas le moment, là. Donc là, on se retrouve avec les 4 factions troyennes sur le dos. Hein. Alors, toi, Paris, déjà, tu vas payer l'addition. Et Moment, tu trades, bravo. 65%. Et donc, Moment, t'es plus efficace qu'avant, mon vieux. Qu'est-ce qui t'arrive? On va détruire cette petite armée de Dardani déjà. They can serve us now. Ajax est rond, faut qu'on le monte Ajax, sinon ça va pas le faire. Voilà, le niveau de fatigue des unités en début de bataille est toujours frais, ça sera toujours utile ça. Donc on va voir ce qu'il va faire. Si recoloniser Gine, on l'attaquera derrière. On peut lui faire de cadeaux. On a une armée qui devient de plus en plus costaud, ça c'est cool.
Mais bon, là, on n'a plus beaucoup de bouffe, malheureusement. Merci, Paris. Hein. Par contre, s'il y a un truc que je trouve dommage, c'est que tu as des arbres ici, tu peux pas faire une embuscade convenable. Mais bon, ça en est ainsi. Alors, toujours pas de truc de renom. Pour le moment, on est à 12, ça va. Alors, comment va Sarpedon, lui? Il est à Milos, il y a déjà une grosse garnison. On va devoir surveiller ça de très près. Alors, est-ce que tu vas recoloniser... Tu vas recoloniser Paris ou est-ce que tu vas fuir tel qu'un lâche que tu es? Donc le mode better mode caméra mode, je le trouve agréable. C'est la première fois que je le teste pour ce que j'ai vu. C'est plutôt cool. Une alliance défensive, il me donne 6000 de bouffe. Bah let's go. Ça va encore améliorer nos relations entre Grecs. Ah oui, on a toute la famille, toute la Smala Troyenne qui arrive, attention. Les cousins, les fils de Paris, et j'en passe. L'Arcadien, tu deviens relou, là. Ah oui, il y a aussi le Crétois, là. Il n'a pas recolonisé. Bah tiens, on va aller chercher Paris, allez. Vous savez quoi, on va la faire cette bataille. C'est le frère, on va se faire un deuxième héros troyen comme ça en 3 sessions. C'est plutôt pas mal, enfin 3 épisodes. Après Hector, on va aller se taper Paris de 3. Bon, son armée a déjà pris du dégât. En espérant que ça suffise. Ouais, en plus, il a la forêt en pour lui. Mais bon, on a des unités de javelot, donc la forêt, ça peut être aussi utile pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on a en déployable? On a l'avant-garde de géants, tu me diras. On a notre super griffon Mitrandir, donc griffon inférieur, certes. Il a une bonne charge, il est volant, mais il fait de gros dégâts. Alors, plume de bronze en plein vol, résistance projectile plus 20, plus 30 d'armure. Donc, il a 50 d'armure en vol, ok. Il est meilleur pour flanquer, c'est quelqu'un qui fout les jetons. Et c'est un assiégeur. Et donc, t'es bien veux. Ton plumage est très imposant, mon cher Mitrandir. Hein. Par contre, j'espère que tu vas être aussi efficace qu'au moment, si ce n'est plus. Ah oui, t'aimes bien bouffer à mon avis, c'est ça? Ah, d'occasion, il faudrait qu'on se croise un jour sur l'île ou ailleurs, hein, pour qu'on fasse connaissance. Si ça t'intéresse, bien sûr. Regardez-moi les stats d'Ajax. Défense en mêlée, 90. Et 90 hein, pour Ajax, c'est un tank. Il a une bonne attaque. Bon, il n'a pas une grosse armure, mais bon. On va tenter d'aller chercher leur tireur. Regardez, il a de bonnes stats. Hein. Waouh. Je sais pas où il est l'autre, mais on va essayer d'aller le chercher. J'essaie de charger les griffons ici, tiens. Avec le griffon, j'essaie de charger dans le tas des frondeurs. Il est... Oh, l'enflure, il est au bout du monde, mais c'est pas vrai. Toi, par là. On va faire déplacer nos escarmoucheurs géants. On va avancer tous nos tireurs d'un coup. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est que Mitrandir est en train d'attirer le gros de l'armée sur lui. Il fait l'appât et il fait bon. Oh, par contre, tu prends cher, mon vieux. On va essayer de corriger ça.
Alors, je sais pas ce que fait l'IA, mais pourquoi pas. Oh la vache, on est en train de leur mettre la sauce. Allez, Ajax, va chercher Paris, là. Ouh, vous allez me tirer là-dedans. C'est bien, Mitrodia, il est en train de tout tataner, là. Et là, t'as Ajax qui est en train de tataner, là. J'ai envoyé un renfort ici pour suppléer ses marines. Ça l'a mignon. Par là, vite. Oh là là, le carnage qu'on est en train de faire, là, c'est beau. Et là, t'as Ajax qui est en train de mettre sa raclée à l'autre. Au vilain prince, là. À l'assassin. Vous par là. Vous là. Et là, on va ramener tous nos renforts parce qu'il y a du besoin. Les archers, vous allez me tirer là-dessus. Allez. Enjoy. Alors, prince de Troie, tu me fais peur? J'ai battu ton frère la première fois, maintenant t'es le prochain sur ma liste. Ah, on me dit dans l'oreille qu'il y a des guerriers qui se barrent là. Lance-lui un rocher sur la gueule dessus, ton coffre, toi. L'ennemi a repéré vos unités dissimulées. Allez, on bourre là. Go, 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 go. Tu t'en sors comment, toi? T'as l'air de t'en sortir bien. Par contre, je te conseille d'aller chercher ici. La coordonnée ne reviendra pas. Allez, allez, Ajax, vas-y, va le chercher. Mais en fait, ce qui fait. T'es comme Ricard. J'ai compris le Ricard, hein, je te jure. À force de me parler d'alcool, les gars, ça, c'est votre faute là. Bon, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Hein. On va gagner quelques points de renommée supplémentaires avec la victoire contre Paris de Troyes. Donc, c'est plutôt cool. Trop dur, t'as quand même fait le job. Hein. On va pas te cracher dessus. On va récupérer 9% de reconstitution, ça se prend. On gagne 3 de renommée en plus, une portée de 10 de campagne, et 10 de dégâts d'unité de lance projectile dans l'armée. Bah, on en a pas mal, tu me diras. Donc 10 de dégâts par-ci, par-là, ça peut être intéressant. Je pense que Paris, là, il va mourir. Voilà. Rentre chez toi. Ceci est mon territoire. Bisous. Make them our slaves. Forward together. Writing wrong. On va vite recoloniser Jin. Ajax était rang 10, c'est pas mal du tout. Alors, sur quoi je vais partir? En constitution de l'armée, on va en avoir besoin là. Parce que là, pendant 4 tours, on va pas rigoler, croyez-moi. On va déjà regrouper quelques tireurs entre eux. On va rebâtir là. On va rebâtir le port aussi, hein, tant qu'à faire. Donc ça, on va tout de suite le monter au niveau 2. Oui, oui, je le sais, t'es un géant parmi les hommes. C'est très connu, ça. Alors, Argo, ça se passe comment nos relations? Ça s'améliore. Tu as l'impact de mon agression. Ok, t'as quoi en trop, toi? T'as beaucoup de bronze en trop. Allez, 85 de bronze. 84 de bronze x 5 pendant 5 tours pour un pack de mon agression, je dis oui. Mycène, toi. On va peut-être te remuer un peu parce que bon. Bah tiens, Itak aussi. Itak, bon. C'est Itak. Donc là, on a Hector. Tu vas t'occuper de ce lycien. Pylos, tu vas t'occuper de... Il y a Sarpedon, là.
En vrai, si on se fait tous les héros grecs, ça va être beau, ça. Honnêtement, hein. En fait, là, j'aimerais battre René parce que je me rappelle qu'il a un taux de reconstitution de 10%. Donc là, on a pris 4% de plus. On pourrait prendre à 14% assez facilement. Donc si on peut avoir vite tous les bonus de victoire contre les héros troyens, moi je dis oui. Hein. Par contre, Momon, faudra qu'on parle hein, pour tes actions d'espionnage là, qui nous mettent bien dans l'embarras. Tu peux rêver, toi. Bon. Ah, les Dolopiens de Lycomède, à mon avis, on risque de les revoir. Maman, au bureau, tout de suite. C'est ça. C'est ça, l'idée, en plus. Hein. Mais là, en fait, il y a un truc que l'IA fait que je comprends pas, c'est qu'elle se... Elle se met en marche forcée, quoi. Alors qu'elle devrait pas, en fait. Donc là, on fait tous les bâtiments le plus vite possible. On continue de remonter notre taux de grosse de bouffe, parce qu'on va en avoir besoin. Bon, dans 3 tours, là, ce sera bon. Dans 2 tours, ici. J'essaie de proposer une paix au Dolopien, mais je doute qu'il va... Ah, il voudrait, tiens. Ah, tu sais quoi, tu vas te débrouiller. Alors, je vais te proposer un accord d'échange, t'as quoi en trop? Ouais, t'as pas mal d'or, toi, en fait. 20 d'or. Non. 10 d'or. 15. Bof. Le bois, il s'en fout, à la limite. Bon, on a pas mal de bois. La pierre, par contre, ça commence à m'intéresser. Allez, 85 x 5. Alors, 80 x 5, 400. 400... 425, allez, bisous. Voilà. Un pack de l'engrais sur les cachilles. Un accès militaire avec... On perd beaucoup en vrai si je fais ça. Une alliance militaire avec Cachilles, il est en guerre contre qui? Il n'y a pas d'allié militaire. Bon, on va essayer de faire un copain-copain avec tous les Grecs. T'as beaucoup de bois, toi. Faut dire que j'ai pas le matos de la NASA. C'est pas faux. ...115 de bois... ...116... ...x 5, ça fait 580. Voilà, parfait. Personne ne veut une confédération. Une alliance militaire avec Ulus, tu vois. I feel sure your heart is open to my words. Et là, on va lui réclamer pas mal de bouffe, tiens, les 2000. Là, on va être gagnant sur la bouffe. En vrai, si on s'allie déjà avec tous les Grecs, on pourra se mettre bien, quoi. Eh, franchement, ça se prend, ça. Voilà. En plus, il est en guerre contre qui? Il est en guerre contre des gens qu'on n'aime pas, déjà. Donc ça, ça va nous aider un peu. Tiens, par contre, Ennu, il a disparu ou c'est moi? Ouais, bon, là, c'est pas mal. Ordre disponible, Mégaride. On va remettre le bonheur. Donc là, on va continuer de soigner notre coin. Mais bon, là, je pense que si on arrive à cumuler les bons bonus au fur et à mesure, ça va le faire. Pour moi, hein. On a déjà battu deux des princes troyens, ce qui est pas dégueulasse. Bon, Athènes, c'est aux mains d'Athènes ou ça a changé? Donc là, on s'est quasiment allié à tous les... à toutes les factions grecques majeures. Enfin, danaïennes, on va dire, pour être plus correct. Bon là c'est bien, ils sont en train de s'occuper en trajant. Encore une armée, mais faut arrêter là. Je sais qu'il y a peu de chier des armées comme ça, mais bon.
Et vous allez voir que c'est Salamine qui va prendre là. Ah non, je te connais pas, tu te débrouilles. Alors toi, tu peux courir. Et l'autre qui est en train de nous raid là. Bon allez, on va essayer d'achever l'armée ici, comme ça on sera tranquille, c'est une armée de Dardanie. Voilà, comme ça on fera farmer un peu d'expérience d'Ajax. Hop, on va se soigner. Ajax est rang 11. Allez, plus 7% en constitution, ça va encore accélérer les choses, on va dire. Bon, je sais, on n'est pas très avancé dans les objectifs. Hein. Alors, Sparte, toi. Là, je sais pas comment ils font, hein, bon. Pour avoir des armées, des tout plus forts que moi après. Bon, moi j'ai pris du dégât, certes. Mais quand même, quoi. À un moment. Alors, je pourrais faire la paix avec qui? Apteron, il voudrait la paix ou pas? Toi, t'as... Oh, t'as pas mal de bouffe, toi. Alors, attends, je te demande 500 de bouffe et tu me dis non. 320 de bouffe. 315 x 5, alors on va le prendre, l'accord de paix. Comme ça, on annule cette mission qui sert à rien. Donc là, on est à 15 de renommée. Ouais, bon, encore du chemin. Ah oui, c'est vrai qu'on a l'épée de... L'épée d'Ajax, tiens. L'épée d'Hector. Donc on va le garder le javelot pour le moment avec Ajax. On va attendre un tour et après on verra ce qui se passe là. Parce que je suis un peu inquiet de toutes ces armées là. Ah, Agamemnon a repris Marathon. Ça, c'est, je sais pas si c'est un bon ou un mauvais signe. On verra le moment venu. Mais je pense qu'il y a un peu moins de pression. C'est grâce à ici. Hein. Donc on va voir. Par contre, là, toutes ces unités à aller chercher, ça devient lourd. Hein. Donc l'armée principale est repartie. Donc on s'est peut-être pas étendu, mais on a tenu nos positions, on a fait des paix intéressantes. On est en train de se faire un beau réseau d'alliances, comme je le souhaitais avec Ajax de base. On va essayer de se faire tous les routes royaux au fur et à mesure, et peut-être les Amazones, hein, qui sait. Bon, si on fait déjà tous les routes royaux avec Ajax, dans cette campagne, ce serait cool. Donc là, c'est eux, mes teams. Donc on est rang de force 31. C'est pas fameux, hein. Est-ce que j'ai un accès militaire avec... je sais plus. Capturer la capitale d'Hector, Zélé. 3 est unis contre nous, serment d'allégeance, à l'immobiliser, Ithac, Sparte. C'est cool. On va refaire le port au niveau 2, ça avec. Et plus de bouffe, allez. Là c'est bien, nos copains là, ils nous aident, on n'a plus de décret en cours, on va partir sur quoi maintenant?
L'infanterie de marine Samine, c'est de l'infanterie légère ou de la moyenne? C'est de la moyenne. Légère. Là, on pourrait partir pour 15 tours sur ces deux techs là, j'ai envie de dire pourquoi pas, puisque les marines Samine sont de la infanterie moyenne. Bon, on termine de soigner nos troupes. Là, la bouffe, vous regardez, ça commence à revenir petit à petit avec les constructions. Dans deux tours, on aura deux bâtiments supplémentaires. Nos alliés sont en train de faire un bel écran. J'essaie de continuer d'améliorer mes relations avec Argos. Ajax, my brother in arms. What can I do for you? Bah, je sais pas, peut-être s'il y a un accès militaire, ça ferait quoi pour réussir? Tu t'es pas fou, non? Ah oui, d'accord, Diomède, alors il est rang 1, lui, d'accord. Il semble qu'il y en a un qui va... Et si on se faisait le paragon d'Épidore, tiens? Sur le prochain tour, on se le fait. On va voir ce que vont faire les autres. Archie nous demande un 1000... Ouais, allez. J'ai curieux de voir comment on va tenir Athènes, là, s'ils attaquent. Là, faudrait qu'ils s'entretuent pour voir un peu l'évolution. Par contre, moi, je sais pas où t'es, mais t'es un peu disparu. Je vais voir si je dois te recruter ou pas. Je sais plus. On va le voir de toute façon. Ah non, 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 mais là, ça déconne pas, mec. Je t'apprécie, mais quand même, quoi. Voilà, toutes les armées, elles arrivent. Là, à mon avis, il y a du Troyen qui va se faire taper dessus. Ça va être joli. Par contre, là, ils se sont pris un coup dans la gueule, j'ai pas compris là, les frères troyens et leurs alliés. Peut-être que je leur fais un petit. Encore une armée, non, mais faut arrêter là. Pourquoi il y a personne qui intervient là? Je dis ça comme ça, hein. Alors, il y a des croyants qui se baladent. Tu sais pas. Pas bien sûr. Ah bah moment, t'es de retour au service. Bah tiens, tu vas bosser un peu. Ah t'as que 55%, sérieusement. Bon, il a un char d'archer, bon, il a beaucoup de javelots. Toi, tu vas t'occuper. Bon, allez, occupe-toi de lui, s'il te plaît. Moment, tu es fantôme, ça, on va dire ça. Un autre parangon de battu, c'est le deuxième. On gagne 3 points de renommée. Ça fait 18. Oh, attends, j'ai une idée. Je peux pas donner l'épée d'Hector, hein, c'est pas possible. Par contre, avec Héphaïstos, on est plutôt pas mal. Alors là, si je fais ça, ça donne quoi? Je vais faire une prière. Alors attends, je pourrais faire que... Ah, je pourrais faire les deux. Hécatombe, déjà de bouffe, prière. Et ça va nous aider pour la bataille contre... comment il s'appelle? Contre Cerbère. Ouais, ouais, il faut le faire bosser ce moment, parce que bon, il fout... Il est pas très efficace hein, pour le moment. Je veux pas être méchant envers toi, moment, mais... On peut mieux faire, hein. Donc là, avec ce qu'on a fait, là, point de compétence non signé. Ah bah, t'as pris un rang quand même, Oman. Alors, tu te rates, mais tu prends un rang. Pourquoi pas? Putain, tu le fous dans une armée, Oman. Moins, plus 40% de chance des embuscades. Let's go, allez. En fait, tu pourrais faire du 85% si tu l'intègres, si tu le mets avec Ajax. Eh, ça pourrait être une donnée intéressante, ça, en vrai. Non. Il y a un combo à faire là.
tu me fous cet espion avec 40% de chance en embuscade sur un terrain de base, tu le mets. Ah ouais, ça peut être craqué. Bon, 85% quand même, c'est énorme, je sais, mais vous imaginez le truc? Ah, oh, Paris est de retour, bah tiens. Ah, je sais pas où est parti Paris, mais il est parti. Donc tout ce qui est en Asie mineure, on évite de fréquenter, hein. Je vous le dis, on fréquente pas ça. Hein. On va rester entre bon danéen et bon grec. Alors les PRR ont été battus. Et il nous faudra plus d'or encore. Et alors Sarpedon. Oh, c'est fortifié Milos. Hein. Si on peut essayer d'aller chercher ça plus tard, bon, pour le moment c'est pas la priorité. Ce que je vais faire. Peut-être qu'un jour aller chercher le parangon de Thèbes. On sait qu'il y a un autre parangon, je crois. J'en avais vu un bout. Là-bas, non. Là-bas, non. C'était où? Oh, il y en a un à Alos, là. C'est loin chez Achille, mais pourquoi pas. On va voir un petit peu où on en est. Ah oui, là, c'est loin quand même. Hein. On va peut-être pas abuser non plus. Pour le moment. Andros, ça va, c'est pas si loin que ça. En 2-3 tours, on y est, quoi. Donc, vous savez quoi, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, les amis. Ciao, ciao.